culture. Le deuxième élément, c'est la simplification. Donc, on l'a dit, des surfaces, la simplification paysagère, on va dire, des territoires. Donc, on a des territoires français qui se sont très spécialisés. Et on a aussi une perte importante depuis 30 ans de surfaces qui étaient des surfaces pérennes, stables, et qui s'appelaient les prairies permanentes. Alors, il n'y a pas que l'effet PAC, hein, c'est un effet aussi important avec la diminution des cheptels depuis une trentaine d'années. Et donc la cérélisation liée aux politiques de la PAC, liée à un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre élément? C'est la fragmentation des territoires liée à la conversion des terres agricoles en zones urbanisées ou en route ou autre. Et en fait, si on fait le calcul de ce qui s'est passé les 10 dernières années, on se retrouve qu'on a perdu un département. Or, ça ne veut pas dire qu'on va perdre un département tous les 10 ans, hein, je ne suis pas là. Mais en tout cas, le constat, c'est ça. La grande rogneuse, en fait, de l'artificialisation des sols, de la conversion de ces sols en surface, on va dire, imperméabilisée ou urbanisée, est très importante. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on pouvait rajouter à ça? C'est aussi une dégradation des sols liée à l'imperméabilisation, à la perte de matière organique aussi, et à l'érosion. Alors, tout ça, c'est un effet un peu, l'un est la conséquence de l'autre. Les causes, mais en tout cas, si on prend l'imperméabilisation des sols, nous, en agriculture, on a bien une imperméabilisation qu'on a sur les sites d'élevage, puisque ces sites d'élevage, on se rend compte que maintenant, ils peuvent avoir une taille de 6 hectares. Quand on vous verra, Noémie vous expliquera un peu comment on évalue ces 6 hectares. Et puis, donc, on a des cultures aussi qui sont en perte importante de matière organique, des cultures annuelles, les zones dites spécialisées. Donc, avec un manque de ressources de matière organique pour régénérer les sols, enfin pour compenser la perte, en gros, un sol qui est en culture annuelle depuis 30 ans ou 40 ans perd entre 1 tonne 2 et 1 tonne 7 de matière organique tous les ans. Et donc, cette perte-là, elle est liée à l'activité biologique des sols. Donc, il faudra agir aussi sur cet aspect sol, mais c'est peut-être un peu moins notre problème aujourd'hui. Voilà. Donc, juste un petit rappel de la façon dont on a aussi procédé, nous, d'un point de vue méthodologique, c'est qu'on s'est préoccupé, dans le cadre d'un CASDAR qui s'appelait Indibio, de la problématique de la mobilité des espèces. Et cette mobilité des espèces, en fait, on a essayé de travailler dans ce projet recherche CASDAR, hein, eh bien, on a travaillé sur l'analyse des composantes paysagères, c'est les arbres, les haies, à savoir quelle densité on avait, comment ils sont organisés spatialement. Les pratiques agricoles, les pressions qu'on peut avoir sur les pratiques agricoles et les réponses qu'on avait sur un champ taxonomique qu'on énonce de la flore, de la prairie permanente qui était un petit peu l'objet sur lequel on a fait pas mal de mesures, en passant par les lombriques, en passant par les orthoptères, les bourdons, les chiroptères et les oiseaux. Voilà. Donc la place, en fait, l'intérêt aussi, et ce qui est très important, c'est qu'il faut avoir des composantes paysagères qui vont être le lieu de la mobilité des espèces, le lieu de reproduction, mais aussi qui va fournir des ressources alimentaires à ces espèces. Donc, c'est des milieux dits naturels dans des milieux qui sont un peu plus domestiqués. Et puis aussi, sans oublier que l'activité agricole n'est pas à bannir pour autant, c'est que la rotation des cultures, la gestion de la prairie et l'introduction, par exemple, de cultures de plantes à fleurs type légumineuses dans les rotations sont aussi un garde-manger pour les espèces, sont aussi un habitat, on va dire, estival ou automnal ou printanier pour ces espèces. Donc voilà, la mobilité des espèces, c'est un leitmotiv important et c'est ce qui a construit toute autre réflexion autour de ce sujet. Je vais vous donner quelques éléments là-dessus sur des réponses statistiques, puisque quand on sait qu'on fait des statistiques et qu'on essaie de mettre un lien à l'activité biologique et à la biodiversité sur des espèces, eh bien en fait, ce n'est pas toujours évident. On a des corrélations qui sont très faibles. Nous, on n'a pas travaillé sur des corrélations. On a un service statistique qui est assez au top là-dessus et donc qui nous a donné des méthodes un peu novatrices. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, je vais vous donner rapidement un peu le résultat de ces conclusions, c'est qu'on a des blocs avec un bloc pratique, un bloc paysage et un bloc parcellaire. Eh bien, pour les bourdons, quand on regarde sur la partie gauche, donc le graphique là, qui est avec des couleurs jaunes, vertes et bleues, eh bien, selon les zones
paysagères dans lesquelles on a travaillé, donc il y avait la Basse Normandie, l'Auvergne et Champagne-Ardenne, eh bien, on se retrouve avec un poids du territoire ou un poids lié au parcellaire. Le parcellaire, ça peut être les formes des parcelles, la taille des parcelles, les distances centre-bordure. Donc, un poids lié à ces parcelles qui serait très important. Donc, c'est ce qu'on voit pour les bourdons. Dans une moindre mesure, on aura un poids aussi lié au paysage, c'est-à-dire à la connectivité, aux alignements d'arbres, ce qu'on va retrouver en termes de mares ou zones humides. Et dans un dernier temps, l'effet des pratiques. Donc là, on se rend compte de quoi? Si on prend par exemple la ligne forme des parcelles, donc c'est l'avant-avant-dernière ligne sur parcellaire. Donc on se rend compte qu'il y a un effet positif, en tout cas sur Basse-Normandie, de ces formes de parcelles. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, en gros, la méthode nous dit que chaque fois qu'on va changer l'indice de forme de parcelle, c'est en gros une parcelle qui fait un hectare qui est sur un carré parfait, fait 100 mètres sur 100 mètres, ça fait 400 mètres de périmètre. Si cet hectare-là, en fait, le périmètre n'est pas constant sur un hectare, donc il peut passer presque à 800 mètres quelquefois. Et donc, l'idée, c'est de voir si cette complexité de parcelle joue. Donc, elle a un effet positif. Ça veut dire que chaque fois qu'on monte d'un point l'indice, eh bien, on augmente de 1,5 en Basse-Normandie les espèces de bourdons qui fréquentent ces milieux-là. Facile à comprendre aussi parce que le lien biologique qu'on a fait avec le Muséum d'histoire naturelle était lié donc à l'explication de l'effet du milieu sur le taxon, enfin, dit bourdon. Et en fait, on a beaucoup plus de ressources, on va dire, dans des milieux à forte dentelle parcellaire ou de bordure de parcelle plutôt qu'à des milieux qui sont coupés au couteau. Voilà. On va mettre les chiropères puisque ça, c'est l'objet de pas mal d'études qu'on fait à l'Institut de l'élevage. Donc, aussi, même analyse, hein, quel est le poids, en fait. Quand on a pris nos espèces, on a parié aussi que le ver de terre et puis l'orthoptère et partiellement le bourdon allaient nous dire des choses sur les pratiques agricoles. Et plus l'espèce était mobile, plus on aurait eu des lectures, plus on devrait avoir des lectures paysagères sur des paysages qui sont en train de s'appauvrir en termes de connexion, en termes de densité. Et donc, le pari, il est aux trois quarts réussi. Presque à 100%, mais on va dire plutôt trois quarts pour faire preuve d'humilité à ce sujet. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit sur la partie chiroptère? Chiroptère qui sont eux plus dépendants, comme on le voit, donc des éléments plutôt paysagers. Eh bien, on voit que quand, par exemple, on se retrouve, alors, si on fait la lise là sur Basse-Normandie, eh bien, en fait, quand on augmente alors, la densité de forêt, c'est les bordures de forêt. Hein. Donc, quand on est dans des milieux à forte densité de forêt, et qu'on a un entretien sûrement des bordures qui est intéressant, eh bien, le fait d'augmenter de 1%, ça augmente de 1,2 le nombre d'espèces, en tout cas pour Basse-Normandie. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Des effets qui sont assez négatifs, c'est les densités de vergers, par exemple, en Auvergne. Si on prend l'exemple des Combrailles, alors vous ne connaissez pas, mais c'est un milieu qui est très embocagé. Le fait d'avoir des vergers, eh bien, sur chiroptère, ça va poser le problème aussi pour la chasse, puisque ça chasse par écolocation. Il faut quand même plutôt du linéaire que des milieux qui sont en train de se fermer, même si elles ont la capacité d'aller dans les milieux fermés, puisque c'est un animal qui a des capacités sportives remarquables. Donc, voilà, en gros, déroulé cette affaire. Donc, qu'est-ce que tout ça nous dit? C'est qu'en fait, si on parle d'hétérogénéité paysagère, c'est-à-dire la complexité paysagère, moi, je ne vous demanderai pas sur les deux photos, là, entre celle que j'ai à ma gauche sur l'écran et celle que j'ai à ma droite, je ne vous demanderai pas dans le milieu dans lequel, si vous étiez une espèce sauvage, dans lequel vous voudriez vivre, mais pour moi, en tout cas, là, c'est tout fait, c'est-à-dire celle de gauche, et on se rend compte aussi qu'on a encore une très forte diversité quand on a de la prairie mélangée à des patchs de culture et autres. Et quand on est dans des milieux qui sont plutôt très ouverts, eh bien on a plutôt l'apparition de mollusques, hein, c'est les limaces qu'on retrouve et qu'on essaie de combattre avec des anti-limaces. Et puis aussi, ben, je ne sais pas si vous trouvez des arbres pour des oiseaux ou des fleurs à ce moment-là pour avoir dans des haies sur la partie droite, il faudrait me dire où. Donc en fait, l'effondrement aussi de la biodiversité en termes d'équilibre entre les espèces, tout ça va faire émerger aussi des espèces, on va dire, plutôt ce qu'on appelle les disservices, donc les corvidés, un certain nombre d'espèces vont retrouver une vigueur et emmerder l'agriculture quand on va semer. On en a d'autres avec le campagnol terrestre, puisque la prairie est aussi prise un petit peu dans ce champ-là. L'augmentation des prairies permanentes, la diminution en fait des perchoirs ou des habitats, mais aussi l'aspect monopratique de l'herbe.
si on fauche tout le temps au même endroit et qu'on laisse de l'herbe plutôt sur pied, on va dire en automne, et bien le campagnol, lui, va coloniser les vestiges qu'ont laissé les taupes en termes de tunnels dans le sol, et en fait vont être très protégés quant à la prédation, puisqu'en fait le couvert végétal va limiter l'action des oiseaux. Donc, en gros, voilà le décor planté. Moi, je vous dirais une chose, c'est qu'en fait, on a toujours travaillé à l'Institut de l'élevage sur des aspects qui étaient plutôt écosystémiques. Contrairement à d'autres instituts techniques, on travaillait sur des logiques un peu fonctionnelles. Et là, ce qu'on essaye de refaire, c'est qu'on travaille sur une approche toujours systémique. Donc, Noémie va vous montrer ça dans quelques minutes. Et on essaye d'illustrer avec nos enregistrements notre approche avec des indicateurs indirects pour les illustrer avec des espèces. Voilà. Noémie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Noémie Bataille. Je travaille au service environnement sur la biodiversité avec Vincent. Moi, je suis là pour vous présenter une méthode pour évaluer l'insertion des bâtiments dans la matrice paysagère. Donc, cette méthode-là, on l'a développée dans le cadre d'un autre outil qui s'appelle Biotex. Et en fait, cet outil, il est venu à la suite du CASDAR Indibio dont Vincent vient de vous parler. Donc, le CASDAR, il a permis d'avoir des conclusions scientifiques et de pouvoir déterminer à partir de la matrice paysagère et des pratiques agricoles des indicateurs indirects de biodiversité. Et donc, c'est des indicateurs indirects de biodiversité qu'on utilise dans Biotex. Donc, pourquoi des indicateurs indirects de biodiversité? Parce que c'est ce sur quoi les éleveurs peuvent agir directement et parce qu'ils sont non dépendants du contexte spatio-temporel. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait des mesures de taxons, par exemple, on a différents critères qui vont influencer ces mesures de taxons. Il y a le climat, il y a le contexte pédoclimatique, etc. Et donc, c'est des choses qui sont très variables. Donc nous, on s'intéresse plus à des choses qui varient moins, c'est-à-dire les pratiques agricoles et les infrastructures agroécologiques, donc tout ce qui est bosquets, lisières de forêt, tout ce qui peut accueillir de la biodiversité. Donc cette méthode, Biotex, elle permet de déterminer les effets des pratiques agricoles sur la biodiversité. Et c'était une demande des éleveurs, donc c'est une démarche qui a été construite pour les agriculteurs. Donc cette méthode, elle a aussi l'avantage d'être à trois échelles, c'est-à-dire l'échelle du territoire, l'échelle de l'exploitation et l'échelle de la parcelle. Donc on peut ainsi prendre en compte plusieurs échelles de la biodiversité jusqu'à l'écosystème. Concrètement, Biotex, jusqu'en 2022, on avait 5 grands modules. Donc l'utilisation des terres agricoles qui se base sur l'assolement, donc une comparaison entre l'assolement du territoire et l'assolement de l'exploitation. Pour voir la diversité des cultures qui sont présentes au niveau des cultures et des prairies qui sont présentes au niveau du territoire et au niveau de l'exploitation. On a l'organisation spatiale des IAE, donc là c'est une comparaison des IAE au niveau du territoire par rapport à ce qu'on a sur la ferme. On a la gestion des IAE, donc ça c'est les pratiques d'entretien tout simplement. La gestion des cultures, donc c'est différentes pratiques culturales auxquelles on s'intéresse et qu'on évalue leurs effets sur la biodiversité. Et enfin, il y avait la gestion des prairies permanentes. Donc ça, on s'intéresse plus particulièrement aux prairies permanentes parce que lorsqu'elles sont utilisées de façon peu intensive, les prairies permanentes peuvent être utilisées comme des infrastructures agroécologiques pour habitat de la biodiversité. Et donc là, depuis 2022, on a rajouté de nouveaux grand module, donc la fertilité des sols, donc ça c'est un peu ce que vous a expliqué Vincent juste avant, et l'impact des importations avec notamment les effets des importations de soja sur la biodiversité. Donc là vous avez un détail de tous les indicateurs qui sont pris en compte, donc comme vous voyez il y a beaucoup d'indicateurs qui sont pris en compte, et notamment celui qui va nous intéresser là dans le cadre de ce webinaire, c'est l'insertion des bâtiments dans la matrice paysagère. Donc, comment on calcule cet indicateur? D'abord, on trace un cercle autour des bâtiments de la ferme.
Donc, il faut savoir que d'abord, on a récupéré en fait le parcellaire de l'exploitation auprès de l'agriculteur. On le projette sur Google Earth. Et avec l'outil règle et l'outil cercle de Google Earth, on trace un cercle du coup autour des bâtiments. L'objectif, c'est d'avoir la grande majorité ou tous les bâtiments, si possible, dans ce cercle, qui sont présents dans ce cercle. Donc là, bah, bon, vous voyez pas trop le chiffre, je pense, mais il y a 128 mètres de rayon pour ce cercle-là. Et ensuite, on ajoute 125 mètres de diamètre pour créer, et ça fait un nouveau cercle dans lequel on va s'intéresser aux infrastructures agroécologiques. Donc pourquoi 125 mètres? Parce que en fait, dans Indibio, donc le programme dont vous a parlé Vincent juste avant, on a déterminé que le territoire de vie des pollinisateurs et en l'occurrence des bourdons était un carré de 250 mètres de côté. Donc bah forcément, si vous ajoutez 125 mètres à un rayon, vous avez un cercle de 250 mètres de diamètre qui rentre donc dans ce carré de 250 mètres de côté. Donc, à la fin, on se retrouve avec un cercle ici, dans ce cas-là, de 253 mètres de rayon. Et donc, en fait, ça va être notre support pour pouvoir s'intéresser à l'insertion des bâtiments dans la matrice paysagère. Donc, pour cet indicateur-là, on a deux sous-indicateurs, donc un qui est qualitatif et un qui est quantitatif. Donc, au niveau qualitatif, on s'intéresse à la connectivité des bâtiments avec les IAE du paysage. Donc, pour ça, en fait, on regarde dans ce cercle si les infrastructures agroécologiques sont suffisamment présentes, si elles sont connectées. Concrètement, on s'imagine qu'on est une petite bête qui va essayer de se déplacer dans le paysage, dans la matrice paysagère, et on voit si c'est possible à travers les infrastructures agroécologiques. Donc, cet indicateur, il va être jugé très bon si on a des IAE qui sont connectés. Ça va être jugé suffisant si on a des IAE, mais peu, voire pas connectés. Et insuffisant si on a peu ou pas d'IAE. Je pense que ça tourne pour vous aussi. Et du coup, on va attendre la diapo. Voilà. Et du coup, bah, donc, le deuxième indicateur, c'est un indicateur quantitatif où on va comparer les bâtiments, la surface développée des bâtiments à la surface développée des habitats qui sont présents autour des bâtiments, avec une idée de faire de la compensation entre l'impact des bâtiments et la présence d'IAE. Donc dans ce cas-là, on va encore une fois s'intéresser à ce cercle-là et on va aussi modéliser la surface développée des bâtiments. Pour ça, on prend les mesures de tous les bâtiments d'élevage de la ferme. Donc leur hauteur, leur largeur, leur longueur, et on les modélise à l'aide d'une forme simple. Par exemple, là, on a un bâtiment qu'on modélise sous la forme d'un cube, et donc le patron de ce cube, ce sera la surface développée des bâtiments. Donc ça nous permet d'avoir une surface en mètres carrés qu'on pourra comparer à la surface des infrastructures agroécologiques. Donc pour ça, pour savoir la surface développée des infrastructures agroécologiques, on répertorie et on mesure toutes les haies, bosquets, lisières de forêt, etc., qui sont présentes dans le buffer cible, donc c'est-à-dire dans le cercle qu'on a modélisé. Donc là, vous voyez, bah, on a mesuré des haies multistratifiées, on a mesuré des arbres isolés, c'est les petits ronds bleus que vous avez, on a mesuré des haies basses ou buissonnantes en bleu. Et donc ensuite, on a en fait dans Biotex un indicateur qui s'appelle la surface de biodiversité développée. Donc ça, cet indicateur-là, il s'inspire du concept de paysage visible en intégrant la troisième dimension. Concrètement, c'est parce que dans la majorité des diagnostics qui existent, on mesure simplement l'emprise au sol des infrastructures agroécologiques. Or, une haie basse n'a pas la même influence, a priori, qu'une haie pluristratifiée sur la biodiversité. Donc nous, pour combler ce biais, on a modélisé les haies, par exemple, sous la forme de pavés. Et donc c'est la surface développée de ces patrons, de ces pavés, qui nous donne la surface développée de la haie.
Et donc, cette surface développée, on considère que c'est la surface qui peut accueillir de la biodiversité. C'est la surface d'habitat. Et donc, on fait pareil, par exemple, pour les arbres, qu'on modélise sous la forme d'un cylindre. Et quand on développe ce cylindre, c'est la surface développée, de biodiversité développée d'un arbre. Donc ça, on l'applique, cette métrique-là, on l'applique à ce qu'on a fait dans le cercle. Et donc, ça nous permet de calculer la surface de biodiversité développée des IAE qui sont présentes dans le buffer cible. Et donc, cette surface de biodiversité développée des IAE, on la compare à la surface développée des bâtiments. Et quand la surface de biodiversité développée est supérieure à 70% de la surface développée des bâtiments, on considère que c'est favorable à la biodiversité. Donc voilà, mais à partir de cet indicateur, on a plusieurs possibilités d'amélioration de l'existant. Par exemple, on voit que sur cette image-là, on a une haie arborée, mais monostratifiée, avec un seul, monospécifique, pardon, avec un seul type d'espèce dans la haie. Donc c'est assez pauvre en habitat pour la biodiversité. Donc par exemple, dans le cas de cette ferme-là, on peut conseiller de diversifier les haies en ajoutant d'autres espèces ou en la remplaçant par une haie pluristratifiée multi-espèces. On peut faire aussi d'autres préconisations. Par exemple, ces bâtiments-là ont à proximité une zone de forêt et une zone de haies assez dense. Et donc, on peut par exemple vouloir reconnecter les bâtiments avec l'existant. Donc, en créant des nouvelles haies, comme vous voyez ici en vert. On peut aussi ajouter de nouveaux habitats à proximité des bâtiments, donc là c'est ce que vous voyez en bleu, en petit, autour des bâtiments, pour rajouter des haies fonctionnelles, par exemple des haies luttant contre les vents du nord qui sont froids, et donc ça permet de protéger les bâtiments des vents froids. Voilà, donc ça c'était pour notre indicateur de l'insertion des bâtiments dans la matrice paysagère. Et maintenant, je vais vous présenter assez rapidement des observations qu'on a faites sur des fermes expérimentales. Donc actuellement, sur les fermes expérimentales, en lien avec l'Institut, on fait un diagnostic Biotex, donc la dernière version, celle que je vous ai présentée, sur la ferme expérimentale, et on fait aussi des enregistrements sonores de chiroptères, donc les chauves-souris, et d'orthoptères, donc avec un enregistreur SM2 Bad Plus. Et donc ça, on le fait sur trois points de la ferme, dont un à proximité des bâtiments, pour voir donc les effets des bâtiments sur la biodiversité. Et donc ce qu'on a trouvé, donc ça c'est vous avez à l'écran le total de tous les contacts, tous les enregistrements qui ont été faits sur les chauves-souris au niveau des fermes expérimentales. Donc vous voyez que la grande majorité des contacts sont la pipistrelle commune. Donc ça, c'est parce que c'est la chauve-souris la plus fréquemment rencontrée en France et qu'elle est très adaptable. Donc c'est à peu près normal de l'avoir en grande majorité, même à proximité des bâtiments. Ensuite, on a la pipistrelle de Kull en deuxième place, qui est très anthropophile, donc qui elle aime les animaux, les milieux urbains et les bâtiments pour les hébergements qu'ils fournissent. Donc c'est aussi assez logique de l'avoir en deuxième position et on l'a majoritairement à proximité des bâtiments en général dans les enregistrements. On a aussi la sérotine commune en quatrième place, là, en vert clair, qui est présente. Donc c'est aussi, comme la pipistrelle commune, une espèce qui est très adaptable. Donc en fait, comme vous voyez, autour des bâtiments, on a des espèces globalement très adaptables qui peuvent se retrouver à peu près partout. C'est le cas aussi, enfin on a aussi le murin à moustache qui aime les milieux mixtes. Ouvert à semi-ouvert, ce qui est assez souvent le cas autour des bâtiments. Et de même, l'oreillère gris aime les vallées ouvertes, donc ce qui est aussi souvent le cas autour des bâtiments. Donc ça, c'est des résultats assez cohérents sur les fermes expérimentales. Mais on a eu aussi des résultats un peu plus étonnants. Par exemple, la noctule de l'Eisler, là, donc en bleu clair. Et la pipistrelle de Nathusius, donc là, un peu plus bas dans le classement,
qui sont présentes, alors qu'elles aiment plutôt les zones boisées et riches en eau. Donc c'est assez étonnant de les trouver à proximité des bâtiments, mais on peut supposer que du coup c'est parce que il y avait ces milieux-là à proximité des bâtiments et que du coup elles se sont déplacées et c'est pour ça qu'on les a entendues dans les enregistrements. Et on a aussi la noctule commune. Donc ça c'est bien parce que c'est une espèce qui est considérée comme vulnérable par l'IUCN à l'échelle de la France. Et c'était une espèce qui était initialement forestière mais qui s'est bien adaptée à la vie urbaine. Mais elle aime plutôt la proximité de l'eau, donc c'est assez étonnant qu'elle soit à proximité directe des bâtiments. Voilà. Dernier point, donc on a un projet aménagement paysager station Vaumoron du site Cirveau qui est en cours de construction. Et l'idée, c'est donc de reconnecter les bâtiments à la matrice paysagère dans le cadre de cette ferme expérimentale. Donc, on a plusieurs volets dans ce projet. Notamment, donc le premier, c'est de reconnecter les continuités paysagères avec le site de l'exploitation pour favoriser les fréquentations de différentes espèces, comme les oiseaux, diurnes et nocturnes, les chauves-souris, etc. Et le but, c'est de stimuler la pression sur la prédation et d'avoir de réguler les espèces à forte pullulation, comme les mouches, les petits rongeurs, etc. Après, bon, voilà, je ne vais peut-être pas tout vous détailler, mais il y a plusieurs volets, d'utiliser l'arbre et la haie avec la vision fonctionnelle aussi, comme je vous ai présenté juste avant, pour atténuer les effets des vents froids ou les effets du réchauffement climatique. De favoriser les espaces de pollinisation et aussi d'éliminer les pièges, parce que ça, c'est aussi très important au niveau des bâtiments. On a différentes zones qui peuvent être des pièges pour la biodiversité. C'est le cas, par exemple, des poteaux creux, des gaines de ventilation ou des rubans adhésifs pour les mouches, dans lesquels peuvent se prendre d'autres espèces animales. Donc voilà. C'est tout pour moi. Merci de votre attention. Merci Noémie et Vincent pour cette présentation. Donc, quelques questions. Donc, il n'y en a pas beaucoup dans le chat pour l'instant. Peut-être que ça viendra. Alors, pourquoi le ratio 70% est choisi? Pourquoi ce 70%? Donc, c'était pour la SBD, hein, je pense. Donc, une question de Geneviève Vidal. Ouais. Donc, je vais y répondre. Noémie, tu complètes. Vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. C'est bon, Vincent. Donc, pourquoi 70%? Parce que on pourrait le caractériser comme étant un ratio qui est empirique. Sur le nombre assez conséquent de mesures qu'on a pu faire, on se rend compte que le 70%, en fait, il est construit comment? Il est construit parce qu'on a des infrastructures agroécologiques qui sont suffisamment conséquentes, comme des alignements d'arbres, des arbres qui font 20 mètres de haut, et on peut avoir une petite haie qui vient compléter. Donc ce 70%, il nous montre aussi de façon assez intuitive que quand on arrive à 50%, le milieu commence à s'ouvrir, mais de façon significative. Donc on a corrigé à peu près à 70% ce ratio. Et ce ratio-là aussi, c'est un ratio qu'on utilise dans Biotex, où on se dit que quand on est à 70%, puisqu'on a fait beaucoup d'analyses paysagères et sur les continuités, quand on est à 70%, eh bien on se retrouve à quelque chose qui est complètement bien maillé, hétérogène et autre. Donc oui, il a un côté peut-être empirique, mais sur le nombre d'observations que l'on a fait et au regard de l'analyse paysagère qu'on a pu faire, on se rend compte qu'il a toute sa pertinence. Alors après, il y a aussi ces notions de compensation qui sont utilisées dans le monde moderne de gens qui vont, par exemple, construire une grande plateforme, je ne sais pas quoi, logistique. Donc, ils essayent de mettre des compensations en place ailleurs, quand ils détruisent un milieu ou autre. Et ces compensations sont calculées sur la vision 3D qu'on pourrait avoir, donc la verticalité des objets. Et donc, cette verticalité traduit, comme l'a dit Noémie, l'effet qualité de l'habitat. Mais peut-être, Noémie, tu peux compléter sur le côté un peu. Comment on raisonne tout ça? Peut-être que j'étais un peu trop exhaustif. Moi, bon, c'est plus est-ce qu'il y a d'autres, enfin, des questions plus poussées là-dessus parce que je
Enfin, je trouve que tu as été clair. Après, c'est mon avis, mais. Alors, il y avait, je pense, c'est Anaïs, j'ai vu, oui, une question d'Anaïs. Si on pouvait revoir la diapo, je ne sais pas si tu peux repasser en arrière, peut-être, Noémie. La diapo sur le Ouais, ratio, sur le ratio, comme ça, c'est voilà. celle-là? Voilà, Okay. oui. Voilà. Et dans la même veine, je pense, il y a la question de Bertrand Flamand. Comment est prise en compte, comment sont prises en compte les surfaces artificialisées? Donc, en effet, ben je pense que voilà, les silos, c'est vrai que tu as des zones avec des silos, des accès qui sont des fois de plus en plus conséquents en béton ou en cailloux, hein, mais, et qui représentent aussi des zones en plus dans l'emprise des sites d'élevage, quoi. Comment ils sont pris en compte dans quel enfin Dans dans la réflexion, l'insertion, quoi, est-ce qu'il y dans la a réflexion? aussi, voilà, en plus des volumétries de bâtiments, est-ce qu'il y a aussi, quand il y a des silos, par exemple, est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est aussi pris en compte? Voilà. Bah du coup quand on mesure quand on fait le cercle là autour des bâtiments, en général ils sont pris dedans. Donc Oui. oui, c'est pris en compte de ce côté-là. Faut, enfin, globalement, ce qu'on considère comme bâtiment, c'est ce qui a un toit Oui. et qui du coup a une emprise et qui est lié vraiment à la ferme et à la production D'accord. de la ferme. D'accord. Par contre, les surfaces artificialisées rentrent pas forcément dans le calcul du SBD pour l'instant, oui. Bah du coup de la surface Oui. développée des La surface développée bâtiments. totale, oui. Bah du coup ça dépend de alors les accès non parce que du coup en général il n'y a pas de toit mais parce qu'en fait l'objectif c'est qu'il nous faut pour calculer une surface développée il nous faut une hauteur une largeur et une longueur et que bah du coup si on n'a pas de hauteur on ne peut pas calculer de surface développée quoi D'accord. c'est un problème purement technique hein, Oui. Par mais contre, voilà. c'est quand même des zones où forcément, à l'inverse, tu n'as pas de biodiversité, quoi. Tu n'as pas de haies, tu n'as pas d'arbres, quoi. Donc, C'est pour ça que tu du coup reviens de c'est l'autre pris en côté. compte voilà, Oui. c'est pour ça que du coup D'une c'est pris en autre compte aussi façon. dans notre cercle, dans notre modélisation du cercle. OK. OK. Alors ensuite, attendez, hein, parce que ça afflue là. J'essaye de modérer. Alors, réflexion. Alors, une question de Didier Gachet. Alors, réflexion des aménagements anthropiques, donc nid d'hirondelle, espace chauve-souris, impact de ces espèces sur les populations de mouches de l'élevage. Alors, c'est peut-être un besoin d'information sur les prédateurs, je dirais, des mouches ou des étourneaux qu'on peut avoir en élevage ou des rongeurs. Hein. On peut élargir la question, quoi. Quels sont les. Alors, attendez, j'essaie de comprendre la question. Oui, du coup, enfin, nous, on préfère privilégier tout ce qui est naturel entre guillemets, c'est-à-dire, on crée pas des nids. Enfin, pour nous, c'est plus important d'avoir un aménagement paysager qui est favorable aux prédateurs que d'avoir des aménagements anthropiques entre guillemets, c'est-à-dire des nids, des zones des zones où peuvent se nourrir, des mangeoires, des trucs comme ça. C'est un peu cacher la misère entre guillemets, mais c'est pas parce qu'on a des nids qui vont être utilisés, mais du coup on essaye de favoriser les aménagements paysagers plus que la présence de nids purement anthropiques, quoi. Après, enfin, est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que tu penses, Bertrand? Oui, très bien, merci. Alors, une question, oui, dans quelle zone, c'était Morgane, hein, dans quelle zone ont été faites les observations? Je pense que c'est pour les chauves-souris, hein. Et du coup, on a fait. Pour la partie bâtiment, on les a fait à proximité des bâtiments, mais du coup dans des infrastructures agroécologiques, parce que il fallait pouvoir l'accrocher et il fallait pouvoir le mettre, enfin que ce soit pas comment dire, que ce soit pas que personne puisse entre guillemets les récupérer, les prendre et modifier les paramètres ou tout ça. Et il fallait que ce soit dans des zones plutôt
naturelle. Vincent veut parler, je vais le laisser parler. Je suis revenu. Si on parle des enregistrements qui ont été faits sur les stations expérimentales, c'est les spatialisés. Dans Indibio, en fait, on avait la Manche qui était une zone océanique. On avait la Haute-Marne qui était une zone plutôt semi-continentale. Et le Puy-de-Dôme avec une zone, on va dire, de montagne moyenne. Donc ces enregistrements-là, pour être précis, ont été faits. Donc autant on a fait de la démonstration avec les stations expérimentales en faisant qu'une mesure. Mais ça veut dire que dans le temps, on va s'inscrire dans plusieurs mesures. Je pense que c'est Noémie qui décidera, puisque moi, mon temps est limité aussi. Et en fait, ce qu'on a fait dans Indibio, avec répétition, on a fait des mesures donc, pendant la période de lactation de la chauve-souris et pendant la période d'apprentissage du jeune. Et ce que je voulais dire à la question tout à l'heure des surfaces développées, là, c'est qu'en fait, pas de surfaces développées, mais sur la prédation, je crois qu'il y a eu quelque chose, mais vous ne m'entendiez pas. C'est qu'en fait, on a posé à une époque, c'est bâti dans un bâtiment, c'était la ferme de Jalonie, une bat box, et on les a posées dans les prairies qui étaient plus ou moins éloignées des bâtiments. L'activité en ferme, en termes de l'activité en fait, en termes de chasse, parce qu'on est capable avec les bat box de savoir si on est sur un cri social ou si on a un cri d'attaque. Une espèce de buzz un peu sur le sonogramme, eh bien, en fait, à proximité des bâtiments, les cris, on va dire, liés à l'attaque, à la chasse, étaient en termes de rapport entre une prairie qui était très riche hein, aussi, on passe de 4 à 10. Donc, ça montre qu'il y a une activité sur les insectes volants, au moins de nuit, puisque certaines peuvent faire de la cueillette, d'autres peuvent faire une mouche qui est posée sur une poutre, elle peut aller la chercher. Et puis d'autres vont faire plutôt de la poursuite, ce qu'expliquait Noémie dans la diversité en fait de ces espèces et la capacité à adapter. Mais attention, c'est une autre prescription qu'on peut donner, hein, c'est ce qu'on n'a pas donné dans notre exposé, mais éviter aussi de les loger sur place, puisque les guano sont très riches quand même en pathogènes. Pour les oiseaux, les salmonelles sont très impactantes aussi. Donc, si l'idée pour nous n'est pas de mettre un habitat qui est un habitat, on va dire, éphémère, type nichoir et autres, ou plein planches de rive là, pour loger des chauves-souris, on préfère plutôt qu'elles viennent à partir des continuités paysagères, qu'elles viennent chasser et qu'elles retournent dans les milieux dans lesquels elles devraient se trouver. Donc, on ne mélange pas le milieu domestique et les zones propres qu'on va avoir sur les élevages et des zones, on va dire, plutôt naturelles. Et donc, c'est cette jonction-là qu'on essaie d'assurer. Donc, il faut qu'elles les fréquentent, il faut qu'elles viennent. C'est le restaurant chinois pour elle. Il y a plein de choses là-dedans à manger. Alors pour l'hébergement, justement, j'avais une question moi de mon côté. Est-ce que il y a une différence entre les alignements d'arbres et quelles espèces plus ou moins voilà, quelles espèces en fonction de la biodiversité que tu as sur le site? Bah du coup, en fonction de. Alors, déjà, en fonction de si tu as de la lisière de forêt ou si tu as seulement de la haie, du bocage, tu n'auras pas les mêmes espèces qui seront présentes. Il y a des espèces qui sont inféodées à certains milieux. Par exemple, le murin de Daubenton, c'est une espèce qui est inféodée au milieu aquatique. Tu n'en auras pas s'il n'y a pas de milieu aquatique à proximité. Il y a différentes espèces qui sont le murin à moustache par exemple qui est très inféodé au milieu de boisé et enfin voilà t'as différentes espèces en fonction du type d'IAE que tu auras à proximité des bâtiments tu auras des espèces différentes aussi qui viendront après il y aura des espèces que tu retrouveras tout le temps ou quasiment c'est-à-dire par exemple la pipistrelle de Kull qui est celle qui est très adaptée aux bâtiments aux milieux anthropiques. Tu as la pipistrelle commune qui est présente partout en fait. Donc voilà, il y a des espèces que tu trouveras tout le temps et d'autres qui sont très différentes en fonction des types d'IAE que tu auras à proximité de tes bâtiments. Moi, ce que je voudrais rajouter, hein, c'est que tout ce qu'on sait là, c'est pas parce que c'est un mammifère et qu'on travaille à l'Institut de l'élevage. Hein. C'est parce qu'en fait, on a beaucoup travaillé avec le muséum qui nous a éduqués sur la connaissance du taxon, voire d'autres taxons. Donc, on n'est pas une génération spontanée à l'Institut de l'élevage de gens spécialisés sur ça. C'est qu'en fait, on a beaucoup eu de relations et on en a encore pas mal et on en aura encore suffisamment autour avec le muséum et autres peut-être demain qui nous Avec des ont. chiroptérologues aussi, ouais. Et des chiroptérologues qui sont des gens privés, enfin
des gens qui avaient plutôt un bureau d'études privé. Et donc, là-dessus, nous, ce n'est pas une interprétation pure et dure institut. On fait un peu, on ne retranscrit que ce qu'on a capitalisé au travers d'experts sur la biologie de l'animal et aussi sur son comportement. Ok, ben, merci à tous les deux. Une dernière question, il y en a d'autres, mais désolé, on ne va pas pouvoir y répondre à toutes. Alors, la dernière question, alors, est-ce que vous faites un lien avec la méthode d'évaluation des fonctionnalités, donc zone humide, si le site est à proximité? Est-ce que non. Vous faites la méthode des fonctionnalités? Les fonctionnalités, on essaye, nous, de réasseoir. Noémie, c'est-à-dire, puisqu'elle l'a dit quand même à demi-mot, c'est que sur les zones qu'on va mesurer en station XP, on en place une s'il y a une zone humide à côté. Donc, les fonctionnalités en fait, du taxon, si on devait répondre au taxon, c'est qu'en fait, 2/3 du poids de la pipistrelle qui fait entre 40 et 60 grammes sont consommés par jour, consomment des mouches et des papillons et autres machins qui volent, carabes aussi. Et donc, ça veut dire qu'en gros, en termes de régulation, à l'année, si on prend sur les périodes d'activité, on est entre 6 et 8 kilos de mouches, hein, potentiellement. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien en termes de régulation. Ouais. Et donc, cet aspect fonctionnel après de la zone humide, peut-être Noémie, tu peux compléter que c'est une zone attractive quoi, et autre. Hein. Oui, c'est sûr. Bah, du coup, les zones humides, c'est des zones où on a bah, du coup, beaucoup d'espèces et des espèces qu'on ne trouve pas dans d'autres milieux. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le murin de Daubenton, qu'on ne le trouve pas s'il n'y a pas une zone humide à proximité. Et du coup, c'est des zones à préserver, ça c'est sûr, et qu'il faut préserver aussi à proximité bâtiment. Il faut faire attention aux différentes pollutions qui peuvent être présentes et aussi à protéger ces zones humides avec différentes et bosquets, lisières de forêt, etc. pour pouvoir les protéger aussi. D'accord, donc et ça doit répondre aussi. Merci. Ça doit répondre aussi à la question de Léon hein, sur la présence d'un plan d'eau, par exemple une réserve incendie. C'est important. Voilà. Ok. Donc oui, ça a une incidence. Je vois la réponse. Ouais. Je vois la question. Voilà. Voilà. Bon, ben, merci à tous les deux. Donc, Noémie, tu restes en éveil pour la fin. On te remettra peut-être en animateur s'il y a des questions complémentaires qu'on peut répondre. Là, il y en avait une ou deux, trois en stock. Voilà, mais on va passer à la présentation suivante. Donc, je laisse vous présenter donc, Sophie et puis ensuite Bertrand et Robin. Voilà, donc merci et on continue. À toi Sophie, donc. Bonjour à tous. C'est bon. Voilà, c'est bon, vous m'entendez. Donc Sophie Gratien, je suis conseillère en biodiversité à la Chambre d'agriculture du Nord et du Pas-de-Calais. Merci de nous accueillir au sein de ce RMT Bâtisse. Donc l'objectif, c'est de vous présenter le cheminement parcouru pour travailler sur le sujet de la biodiversité avec les agriculteurs dans le Nord et le Pas-de-Calais. Comment les sensibiliser aux enjeux de la biodiversité? Quel accompagnement leur proposer? Puis de faire un focus sur un projet qui est en cours d'élaboration avec le groupe ornithologique et naturaliste Nord-Pas-de-Calais et le service bâtiment pour répondre à la problématique « Le bâti, une opportunité pour la biodiversité, le bâti mais aussi ses abords ». Et pour cela, Robin Quevillard et Bertrand reprendront la parole tout à l'heure. Alors, je vous propose d'abord un premier petit tour d'horizon dans la région Hauts-de-France pour savoir si la biodiversité se porte bien. Alors, en Hauts-de-France, l'agriculture occupe 67% du territoire avec environ 58% de terres cultivées et 14% de surface toujours en herbe avec une observation d'une forte régression depuis ces 40 dernières années. Les Hauts-de-France accueillent 29% de la flore métropolitaine et 50% des vertébrés. Et aussi, en Nord-Pas-de-Calais, nous accueillons 60% de la population des oiseaux nicheurs, mais on constate depuis une vingtaine d'années une forte régression de ces oiseaux, environ 50%. Tout à l'heure, Vincent l'a évoqué, parmi les responsables, entre guillemets, hein, de la perte de biodiversité à l'échelle
mondial, on a le taux, on a l'artificialisation, et chez nous, en Hauts-de-France, on a un fort taux d'artificialisation qui est de 12%, puisqu'on a, on est la deuxième région française la plus urbanisée, et on a une forte densité de population. Ce sont les terres agricoles qui sont les premières impactées, notamment les prairies. Donc, face à ce constat, la question s'est posée au sein de la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais en 2014 de réagir et de voir comment on allait pouvoir accompagner les agriculteurs, parce que agriculture et biodiversité, eh bien, ont des liens qui sont vraiment indissociables. Pour cela, nous avons mis en place un programme d'action dans le cadre du programme départemental agriculture et durable, observer, comprendre et agir, qui repose sur deux piliers. Le premier, c'est de renforcer la connaissance scientifique sur la biodiversité des milieux agricoles, parce que dans les milieux agricoles, que ce soit à l'exploitation ou aux abords, mais on constate qu'il y a une biodiversité importante qui se cache. L'agriculteur n'est pas forcément au courant des endroits les plus propices à peu de connaissances. L'idée, c'est de voir comment on pouvait travailler avec lui sur l'amélioration de la connaissance sur la biodiversité fonctionnelle, la biodiversité utile. Et puis, deuxième pilier, c'est l'amélioration de la connaissance des agriculteurs sur la biodiversité fonctionnelle à travers à la fois des expérimentations. En champ d'agriculture, l'objectif, c'est de pouvoir effectivement avoir des références technico-économiques, mais comment mettre en place des essais sur une durée assez importante. On part sur des essais en général sur 3 ans. Comment on peut intégrer la biodiversité dans ces essais? Et puis, quelle thématique choisir? Est-ce qu'on travaille sur les auxiliaires, sur les pollinisateurs, sur l'avifaune? Sur quel type d'aménagement? Et enfin, bien sûr, comment on peut améliorer la connaissance des agriculteurs, c'est-à-dire savoir quelle espèce est utile à l'agriculture, et aussi quels sont les impacts que peut avoir l'agriculture sur la biodiversité. Alors, pour cela, nous avons constitué un ancrage partenarial assez fort. Alors, dans un premier temps, on s'est bien sûr entouré des agriculteurs à travers nos groupes d'études et de développement agricole, qui sont au nombre de 15, les conseillers en production végétale et en production animale travaillent avec les agriculteurs pour l'acquisition de références. Et là, l'idée, c'est de trouver des parcelles d'essai chez des agriculteurs qui font partie de nos groupes de développement agricole pour pouvoir mettre en place des essais sur la biodiversité. Et puis, comme en chambre, nous avions déjà des compétences en pédologie, nous nous sommes dit, ben oui, mais en biodiversité, comment faire? Alors, nous nous sommes entourés d'experts avec lesquels nous avions déjà des habitudes de travail, mais sur des dossiers qui étaient un peu plus sensibles sur la biodiversité remarquable. Et là, l'idée de nos élus, c'était d'aller le rencontrer et de commencer à créer un dialogue. Donc, on a travaillé, on continue à travailler depuis 2014 avec le Conservatoire Botanique National de Bayeul, et puis le groupe ornithologique et naturaliste, et bien entendu d'autres structures, les centres permanents d'initiative à l'environnement et des associations. Et l'objectif, c'était de pouvoir travailler sur la biodiversité, sensibiliser les agriculteurs et pouvoir à la fois avoir un objectif commun en mariant nos compétences. Alors, si on fait un petit peu l'histoire, pour commencer à travailler sur la biodiversité avec les agriculteurs, nous avons fait le choix, en fait, de commencer par des essais qui étaient plutôt liés à la vie du sol, donc des essais sur les vers de terre ou sur les carabes. On a eu un essai sur 5 ans. Les carabes vont manger les limaces. Et là, les résultats de nos essais avec des références locales ont permis aux agriculteurs de bien montrer l'intérêt de réduire l'utilisation des phytos pour lutter contre les limaces. Ensuite, nous avons travaillé avec le Conservatoire botanique de Bayeul sur les messicoles et les bancs fleuris, avec des essais aussi sur 3 ans. Sur les messicoles, la messicole, c'est une plante qui est inféodée au cycle des moissons. Là, l'objectif, c'était à la fois de remettre des messicoles, non pas dans les champs, mais plutôt
dans des bandes fleuries pour préserver cette espèce, montrer que l'agriculture peut contribuer à la préservation de certaines espèces qui sont en voie de disparition et montrer qu'en même temps, le fait d'avoir des bandes fleuries avec ces espèces-là, eh bien, ce sont des réservoirs importants pour les auxiliaires et pour les pollinisateurs. Alors, idem pour les bords de champs, c'est un sujet sur lequel on commence à travailler depuis 2-3 ans. L'idée, c'est aussi de montrer qu'en améliorant la gestion de ces bords de champs, eh bien, l'agriculteur peut compter sur les auxiliaires et les pollinisateurs qui sont abrités dans ces bords de champs et qui a un effet assez important. On sait que, par exemple, selon nos références, on peut avoir 300 insectes auxiliaires au mètre carré dans un bord de champ, donc, ce qui est intéressant et ça peut avoir un effet, bien entendu, sur la parcelle cultivée adjacente. Et puis, on travaille également sur les couverts d'interculture en proposant différents types de couverts, notamment des couverts mellifères, mais aussi des couverts pour les oiseaux avec une implantation qui dure jusqu'au mois de février. On a des essais qui ont été mis en place pour favoriser la ressource alimentaire des oiseaux granivores. Donc, ces expérimentations, en fait, font l'objet de références. Et nous proposons des petits flyers qui comprennent ces références et des informations sur la vie de ces espèces et qui permettent aussi aux agriculteurs de prendre connaissance de certaines préconisations. On a également aussi, avec le GON et le Conservatoire botanique, rédigé un carnet, qu'on appelle entre nous le carnet d'explorateur, qui permet aux agriculteurs de prendre connaissance en fait de la faune et de la flore qui sont inféodées au milieu agricole et qui leur donnent aussi des petits trucs sur qu'est-ce que je peux faire pour améliorer toute l'espèce, qu'est-ce que je peux mettre en place avec des conseils parfois tout simples, comment je peux améliorer un micro-habitat sur une exploitation, garder un tas de pierres, un tas de bois, un petit peu de boue quelque part pour que mes hirondelles puissent revenir faire leur nid chaque printemps. Voilà, des conseils qui sont parfois tout simples et qui peuvent donner chez les agriculteurs parfois une petite amorce pour dire que la biodiversité est bien présente, en ont conscience et derrière, ils peuvent y travailler. On est là pour les accompagner. Et puis, nous sommes également présents lors des visites d'essais sur les plateformes. Chaque année, il y a des tours de plaine, des visites d'essais et on essaie d'être là pour les sensibiliser, pour leur donner la connaissance. On a aujourd'hui une entomologiste qui nous a rejoint depuis 3 ans et qui permet de les intéresser aux auxiliaires et aux ravageurs. Donc, on continue à les accompagner au mieux. Pour en venir à notre sujet, en fait, au fur et à mesure de nos échanges avec les naturalistes, on a, avec le GON depuis 3 ans, mis en place un programme d'action sur la préservation de la vie faune en milieu agricole qui comprend à la fois des recensements participatifs sur les hirondelles, sur des petites espèces comme le moineau friqué, et puis un suivi d'indicateurs. On travaille sur un suivi d'indicateurs sur les oiseaux dans les haies, mais aussi sur une opération d'installation de nichoirs. Et l'idée, c'est de suivre les populations d'espèces. Et au fur et à mesure, en fait, de nos échanges, on a été amené l'année dernière à démarrer une réflexion sur la biodiversité et le bâti, en croisant nos regards, nos expériences de terrain et nos compétences. Et là, je vous propose de voir comment cette réflexion a été engagée avec Robin Cuillard, qui est directeur adjoint du GON. Bonjour à tous, merci Sophie de m'avoir présenté, que j'ai pas besoin de le faire, c'est pratique. Moi je vais vous parler de la clé d'entrée de biodiversité. Ça vous a pas échappé, la biodiversité connaît un déclin généralisé. Ça a été très justement présenté dans la présentation précédente, avec comme support le résultat du rapport de l'IPBES. Donc l'Institut international qui présente des rapports annuels sur l'état de la biodiversité. Donc cette diversité biologique connaît un déclin généralisé et donc la faune liée au bâti ne fait pas exception.
En effet, donc certaines espèces nichent de manière exclusive sur ou dans les bâtiments de toute nature, hein, bâtiments agricoles, à usage agricole compris. Les principales causes de déclin sont liées à la modernisation des bâtiments, de manière générale. Les bâtiments sont devenus plus imperméables que les bâtis anciens, ne permettant plus à la faune de s'y installer. Et donc, il est important de comprendre que cette faune spécialisée n'a pas d'alternative, c'est-à-dire qu'elle elle ne retrouve pas ses conditions d'installation dans le milieu naturel, du moins dans notre région, dans le nord de la France. Alors, que faire dans cette situation? Donc, on a essayé d'y répondre à notre niveau. Comme très souvent, donc lorsqu'on constate un problème, on met en place des actions qu'on va qualifier de curatives. On intervient a posteriori. Dans le cas présent, dans le cadre du partenariat donc entre la Chambre et le GONE, des opérations étaient mises en œuvre dans certains secteurs pour favoriser la réinstallation d'espèces, et donc à savoir donc des nichoirs qui ont été proposés dans certaines conditions pour pallier à l'absence d'espaces qui étaient naturellement favorables auparavant. Alors, cependant, nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce type d'opération qu'on peut qualifier de non pérenne. C'est toujours des actions temporaires. En tout cas, il faut les considérer comme telles. Il fallait donc que nous réfléchissions à une manière d'agir en amont des projets de rénovation ou de construction, donc à savoir mettre en place des actions dites préventives et non curatives, qui sont bien plus efficaces. L'idée serait donc d'intégrer l'action de la biodiversité dès la conception des projets pour répondre à l'objectif de rendre le bâti contemporain naturellement favorable. Je vais laisser la parole à Bertrand pour les diapos suivantes. Ouais, bonjour. Alors. Donc, Bertrand Flamand, Chambre d'agriculture du Nord, Pas-de-Calais. On fait actuellement à peu près entre 120 et 150, 170 projets de bâtiments à l'année. Et donc, on est pleinement conscient de l'impact que nos bâtiments peuvent avoir au niveau de l'environnement en termes d'artificialisation. Notre participation à cette artificialisation, elle est partielle, puisque à côté, il y a d'autres acteurs. Hein, qui participent également au développement de l'agriculture et donc à la mise en place de bâtiments. Et donc, il y a ce constat d'artificialisation. Il y a également la remarque qui en est faite que excusez-moi. En même temps, dans le parallèle de cette démarche-là, on accompagne les dossiers au niveau administratif, et c'est une dizaine de dossiers à peu près en enregistrement ou en autorisation qui sont montés et dans lesquels on intègre l'impact que nos bâtiments peuvent avoir. Et en retour, on a un public qui est de plus en plus attentif et incisif sur l'impact de ces bâtiments, et notamment au regard de la biodiversité. Et donc, la question qui se posait à nous, c'était de voir comment nos bâtiments contemporains pouvaient accueillir ou être plus favorables à la mise en place de la biodiversité. L'autre enjeu derrière, c'était de pouvoir créer un dialogue avec le grand public. Hein, sur ces impacts et les mesures qu'à notre niveau, on pouvait mettre en place. Donc, montrer que les agriculteurs peuvent contribuer au maintien de la biodiversité, hein, dans les nouveaux projets. L'idée, donc, a été de construire un projet en commun avec des regards croisés, des compétences complémentaires. Hein, donc, c'était comment accompagner les agriculteurs pour intégrer la biodiversité dans leurs projets de modernisation des bâtiments d'élevage. Hein, et donc, on avait cette nécessité d'avoir des compétences croisées, des compétences complémentaires. Nous, à notre niveau, on avait un regard particulier sur le bâtiment, sa construction, les matériaux utilisés,
Est-ce des bâtiments ouverts ou fermés, hein, et les enjeux également qu'il peut y avoir par rapport à l'aspect sanitaire au sein des bâtiments, hein. Et en face, donc, on a été échanger, travailler avec les personnes du GON qui, eux, ont une compétence en écologie et en environnement. Voilà. Une première approche de terrain qui a été extrêmement intéressante. Hein, donc, l'idée a été de dire, bon, voilà, on va prendre un certain nombre d'exploitations, on va aller ensemble sur le terrain, les gens du bâtiment, les gens de l'environnement, pour regarder, observer, voir ce qui s'y passait, comparer ce qu'il pouvait y avoir dans les bâtiments anciens et dans les bâtiments contemporains, pour essayer d'analyser les facteurs favorables ou défavorables à la présence de la biodiversité. Donc des visites d'exploitation donc, ont permis d'appréhender les problématiques directement sur le terrain, hein, où étaient présents également les exploitants. Et ça nous a permis de voir que sur la problématique de la biodiversité, hein, il y avait possibilité d'échanger, d'avancer, hein, et que les expériences des uns et des autres, et également des exploitants, permettaient de trouver des réponses. Voilà. Une surprise a été de voir que certaines espèces colonisent des nouveaux bâtiments, hein, même des bâtiments extrêmement contemporains. Au bout de quelques mois, hein, on peut retrouver des nids. Hein, mais encore une fois, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir prendre le temps d'observer et d'analyser les conditions qui permettaient cette implantation. Voilà. Au-delà du bâtiment, on va retrouver les sujets qui ont été abordés préalablement avec l'Institut, c'était l'approche globale. C'est-à-dire qu'un bâtiment, c'est la structure qui a été mise en place pour un usage particulier, mais pour son implantation, il y a un certain nombre d'éléments complémentaires qui ont été nécessaires, hein, donc des terrassements avec des talus, des délaissés, des bassins de tamponnement, de la gestion des eaux. Donc voilà. Je vais laisser la parole à Robin pour la suite. Merci. Donc, suite à ces visites de 2022 et 2023, il a paru important de travailler sur le sujet de manière un peu plus approfondie. Et donc, en 2023, on a décidé de travailler sur une boîte à outils qui était destinée à orienter la conception des projets pour qu'ils intègrent la biodiversité dès le départ, hein, comme ce que je disais tout à l'heure. Cette boîte à outils à destination des conseillers de la chambre en bâtiment. Alors, elle se présente sous la forme de fiches conseils thématiques, décrivant donc les avantages, les inconvénients, les contraintes, les conditions à respecter pour l'accueil de la biodiversité, leur coût, enfin un indicateur sur leur coût. Et donc les bénéfices mutuels aussi que peuvent en tirer l'exploitant et la biodiversité concernée. Et donc les différentes thématiques abordées étaient donc, ont été le bardage et les murs anciens, l'ossature et la charpente, la couverture, les points d'eau, les délaissés, les abords de l'exploitation. Donc ces thématiques, c'est les premières thématiques sur lesquelles on a décidé de travailler, mais ce n'est pas une liste finie, c'est-à-dire que c'est tout à fait évolutif, et donc d'autres thématiques pourront tout à fait être abordées et intégrées à cette fameuse boîte à outils. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que l'approche qui guide ce travail est véritablement un angle gagnant-gagnant. Il s'agit de montrer quels sont les bénéfices que pourront tirer à la fois la biodiversité et l'exploitant des mesures qui seront proposées dans le cadre des différents projets. On peut citer pour ça quelques exemples qu'on reprend assez souvent. Il y a l'exemple des chauves-souris qui a déjà été pas mal discuté tout à l'heure. Hein, parce que les chauves-souris, donc, quand on les accueille à proximité, quand elles sont présentes à proximité ou dans l'exploitation, elles vont apporter un bénéfice vis-à-vis notamment des insectes qui peuvent être considérés comme nuisibles dans le cadre de l'exploitation. Une chauve-souris, ça peut consommer par exemple plusieurs milliers de moustiques en une seule nuit. On peut parler aussi de la chouette effraie, qui est une fabuleuse compagne pour l'exploitation aussi, parce qu'elle permet de réguler des populations de ravageurs
autour de l'exploitation. Elle consomme en effet donc une grande majorité, jusqu'à 95% de rongeurs, qui composent à 95% son régime alimentaire. Mais il ne faut pas oublier aussi les capacités en fait, d'effarouchement que peuvent permettre aussi la présence de rapaces sur une exploitation pour d'autres espèces d'oiseaux qui peuvent être considérées comme importunes. Je prends l'exemple des étourneaux, hein, voilà, donc la présence d'espèces à proximité ou d'aménagements qui ont favorisé certaines espèces de rapaces peuvent servir en tout cas peuvent permettre d'effaroucher d'autres espèces. Donc il y a plusieurs bénéfices à accueillir ces espèces-là. J'ajouterais aussi que le travail sur le bâti, c'est une chose, mais il y a aussi il est tout aussi important de travailler sur la question des abords des bâtiments et de leur environnement direct. Parce que pour favoriser l'accueil de certaines espèces, il est aussi important de travailler sur l'aménagement de zones délaissées, sur les infrastructures agroécologiques, ça a été discuté auparavant aussi. On prend l'exemple des mares, les haies ou autres petits aménagements qui pourraient servir à différents degrés pour l'alimentation ou en tant que refuge ou aide à la construction de nids, par exemple. Hein, je pense aux hirondelles, hein, quand elles ont... pour construire leur nid, elles ont besoin à proximité de zones humides qui leur permettent d'apporter la boue nécessaire à la construction des nids. C'est un exemple parmi d'autres. Alors, ce travail de réalisation de fiches conseils, ce n'est pas une finalité en soi. On souhaite mettre en œuvre maintenant un programme d'action sur la thématique. Et ce programme reposera sur deux principaux thèmes d'action, à savoir donc l'expérimentation avec la mise en application donc des fiches conseils et leurs tests dans le cadre de projets avec des fermes pilotes. Et donc le deuxième thème d'action, c'est la sensibilisation par l'échange avec les différents acteurs concernés par les projets, donc à la fois les constructeurs, mais aussi et surtout donc les agriculteurs qui sont directement concernés. Et donc même si les fiches sont à destination des conseillers, elles pourront être aussi diffusées assez largement au travers d'une boîte à outils qui intégrera d'autres fiches conseils à l'avenir. Alors, pour conclure, je dirais que la philosophie de notre démarche, donc depuis le départ, est de toujours voir nos actions sous l'angle gagnant-gagnant. Nous sommes dans des métiers différents, mais on a des objectifs communs. Et on essaye de les atteindre ensemble, savoir le maintien de la biodiversité, accompagner les agriculteurs dans les pratiques plus vertueuses, l'agroécologie. C'est ce qui donne du sens à l'ensemble de la réflexion. On n'est pas dans du greenwashing, mais plutôt dans la recherche d'un bénéfice mutuel, concret, pour l'agriculteur et la biodiversité, en croisant nos compétences des uns et des autres, hein, qui ont été évoquées aussi par Bertrand juste avant. À terme, donc, le résultat de nos travaux sera partagé dans la continuité avec ce qui a déjà pu être fait auparavant avec le carnet de l'explorateur ou le calendrier perpétuel dont Sophie a parlé tout à l'heure. Travaillons également sur d'autres projets de valorisation. Donc il y a d'autres fiches techniques, d'autres fiches conseils sur d'autres thématiques qui seront élaborées, donc sur les nichoirs, sur les perchoirs, les actions de protection aussi qu'on peut réaliser sur d'autres aspects de l'exploitation, dans les cultures, etc. Et donc, je finirai en disant que le travail sur la biodiversité, donc c'est un long cheminement. L'exemple dans le Nord-Pas-de-Calais illustre bien cela. Le partenariat entre la Chambre et le GUN date de 2014. On a commencé à mettre en place un programme d'action concret à partir de 2021. Et donc, ce programme d'action est loin d'être achevé. Et donne par ailleurs d'autres suites intéressantes à l'échelle de la région, enfin de l'ex-région Picardie, notamment sur le volet chiroptère. Et donc il y a encore beaucoup de choses à faire, donc à suivre. Voilà, merci pour votre attention. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà.
Donc, merci pour les interventions. Donc, je reprends la parole là, donc Frédéric Kergourlet, Chambre d'agriculture de Bretagne et co-animateur avec Bertrand Fagot du RMT Bâtisse. Il y avait une question qui a été donc, posée concernant notamment le fait que, et la question est, c'est, avez-vous en fait partagé ces résultats avec d'autres chambres d'agriculture ? Ou ses travaux notamment. Donc je ne sais pas qui à qui s'adresse plus particulièrement cette question. Peut-être laisser les fiches compléter. En tout cas, la réponse est oui, mais à quel degré, jusqu'à quel niveau, je ne sais pas exactement, mais je sais que Sophie est intervenue dans le cadre de d'autres événements, de nombreux événements. Spécifique au monde agricole pour valoriser les résultats de nos travaux. Par ailleurs, on présente aussi ces résultats au travers d'autres, d'événements plus locaux, des événements annuels dans le cadre desquels on tient des stands ou on tient des conférences, par exemple, sur ces thématiques-là. Et donc, on partage ça avec le public local, mais ça a été partagé avec un public plus national, avec d'autres chambres. Mais je ne sais pas dans quel cadre spécifiquement, et Sophie peut peut-être apporter un complément. Voilà, donc, merci Robin. En effet, Sophie veut bien répondre, donc il faut juste lui donner l'accès à la parole au niveau donc, du webinaire. Si tu peux procéder à la manip, Katia, merci. Oui, c'est que je vois plus Sophie. Elle a dû se déconnecter. D'accord. Elle est toujours là. Elle est toujours là, mais je ne la vois pas dans la liste. Ouais. Gracien. Mais c'est par ordre alphabétique, je ne te vois pas, Sophie. Excuse-moi. Ah, Gracien, t'étais la première. Je te désigne, je te donne la parole. Excuse-moi, Sophie. Voilà, Sophie. Voilà. À l'écran, je te laisse la parole. Merci. Alors, comme vous, nous avons on participe au groupe d'échange entre les conseillers. Déjà, on a un groupe métier spécial biodiversité, donc ça nous permet d'échanger effectivement sur nos thématiques et sur nos références. On a des RMT spéciaux aussi. Ma collègue participe à un RMT sur les bandes fleuries, par exemple. Donc là, avec d'autres chambres, que ce soit à la chambre, je sais que dans le centre ou bien en Occitanie, ils sont bien en avance aussi sur le sujet de la biodiversité. Ils travaillent sur un certain nombre de thématiques, notamment les bandes fleuries, les bords de champs. On essaye d'organiser aussi chaque année en fait réunions un peu plus techniques à destination de nos agriculteurs en travaillant un sujet plus spécifique. Par exemple, là cette année, on va les réunir autour des bords de champs. Et quand c'est comme ça, on invite aussi des partenaires extérieurs pour les sensibiliser. Donc et puis des spécialistes. Donc à tous les niveaux, en fait, on essaye de travailler. Mais le premier objectif, c'était vraiment d'acquérir des références locales, parce que aller voir l'agriculteur et lui donner des références du sud de la France, ça n'a pas trop d'intérêt pour lui. Donc là, l'idée, c'était à la fois de travailler en parallèle sur l'acquisition des références, de pouvoir les partager aussi avec d'autres chambres et d'autres partenaires, et de pouvoir sensibiliser nos agriculteurs à l'intérêt d'améliorer tel ou tel aménagement, et lui leur expliquer aussi que telle espèce peut être utile, et que le fait ne serait-ce que de l'observer, c'est un bon indicateur. Et derrière, s'il veut la préserver, on peut lui apporter des pistes de préconisation, en fait. Donc, on travaille à toutes les échelles. Très bien, merci Sophie. Et il y avait une autre question là, qui a été donc, posée par Stéphane Coutant. Est-ce que vous avez, par exemple, des exemples concrets d'aménagement dans les fiches
un ou deux exemples pour susciter notre intérêt à tous. Je ne sais pas si Sophie, Bertrand, tu peux répondre, Bertrand, ou Robin. Bertrand Robin, c'est plus simple. Bertrand Robin. Ouais, j'allume mon micro. Alors, des exemples concrets. Alors, ce sera illustré. Donc, le contenu des fiches sera illustré. Alors, par contre, il reprendra pas forcément des exemples d'aménagement déjà réalisés, parce qu'on est dans des cas où justement on est dans du préventif, donc dans de l'intégration en fait au projet, donc à la conception des bâtiments, et donc ça, on l'a pas encore fait à l'heure actuelle. Peut-être qu'on pourra trouver dans la recherche bibliographique des exemples d'aménagement provenant d'autres secteurs, mais là en l'occurrence on n'aura probablement pas des exemples concrets pour illustrer le contenu des fiches. Elles seront illustrées par d'autres moyens, par des schémas, par des choses comme ça. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Très bien, merci. Il y avait une autre question aussi, je pense que ça s'adresse davantage à toi, Sophie. C'était sur le degré d'implication des agriculteurs sur cette thématique de la biodiversité et des bâtiments en Nord-Pas-de-Calais. Combien, enfin, si on peut l'estimer, d'agriculteurs sont sensibilisés par cette démarche, et quelle est la prise en main des fiches conseils de leur part? Est-ce qu'il y a un accueil finalement favorable de cette thématique, on va dire, par les éleveurs? Alors, pour l'instant, les fiches conseils, elles seront en cours d'élaboration, donc elles seront destinées aux conseillers, et après, on pourra les diffuser auprès des agriculteurs. Par contre, juste un premier retour d'expérience, c'est qu'on mène depuis là 3 ans une opération sur l'installation de nichoirs à chouettes chouettes et frais à la ferme, en lien avec les groupes d'études et développement agricole, mais en lien avec les collectivités. Alors, même si on est plutôt là sur du curatif, l'idée, c'est de pouvoir aller dans les exploitations agricoles. Si l'agriculteur est intéressé, il y a une visite en fait de la ferme avec l'expert naturaliste, et l'expert décide de l'opportunité ou pas d'installer un nichoir. C'est-à-dire que parfois, on a des agriculteurs qui disent « moi, je voudrais bien mettre 2 nichoirs sur ma ferme », et la visite fait état du fait que non, finalement, il n'en faut pas, ou il en faut peut-être seulement un. Et l'agriculteur, derrière, il s'engage à suivre l'occupation de ce nichoir, et il s'engage à dire chaque année si le nichoir est habité ou pas. Alors, il se peut qu'il ne le soit pas du tout, mais l'idée, c'est de voir l'évolution des populations, et d'ailleurs de montrer que l'agriculteur peut contribuer ou pas au maintien des populations de certaines espèces, et certaines espèces qui sont protégées. Et quand on réalise ces visites chez les agriculteurs, qu'on fait le tour des bâtiments avec eux, là on se rend vraiment compte de la sensibilité qu'ils ont sur la biodiversité, parce qu'on a vraiment des questions terrain. Tiens, l'année dernière j'avais des hirondelles, cette année elles ne sont pas revenues, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Tiens, j'ai aperçu telle et telle espèce, je ne la vois plus, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a un sentiment qu'est-ce que je peux faire? J'observe moi, et demain, quelle solution je peux trouver pour que cette espèce revienne? Et donc ça, c'est quand même super intéressant. Autre anecdote, au démarrage, quand on a commencé à les sensibiliser sur la biodiversité, dans nos plateformes d'essai, on proposait des vitrines de messicoles et d'espèces en fait qui pouvaient composer les bandes fleuries. Alors au tout début, en 2014, première plateforme d'essai, c'était oh, tiens, des fleurs, pourquoi donc? D'accord. Et aujourd'hui, c'est « Ah, alors j'ai testé tel mélange, alors c'est pas mal, mais je voudrais l'améliorer, qu'est-ce que je peux faire ? Ah bah tiens, celui-là, ce plan agronomique, c'est moyen, comment je peux faire ? Est-ce que ma densité de semis, elle était bonne ou pas ? » Donc en fait, on dit que c'est un long cheminement, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'au début, on a des agriculteurs qui se disent « Tiens, pourquoi ils vont parler de ce sujet-là ? Quel va être l'intérêt pour nous ? » Mais au fur et à mesure, si on leur démontre qu'il y a un intérêt, que c'est utile, et qu'on a en plus de ça des références locales,
bah derrière, ils y vont. Donc, je pense que sur le sujet du bâtiment, il y a une ouverture. On l'a senti lors de nos visites terrain et on va pouvoir progressivement trouver des exploitations pilotes. Et l'idée, c'est de faire venir les agriculteurs sur les exploitations pilotes et qu'ils puissent mettre en place des aménagements, des petits aménagements, hein, mais des choses simples, en fait. Voilà. L'idée, c'est d'aborder la biodiversité de façon simple et avec une approche gagnant-gagnant. Voilà. En tout cas, c'est notre philosophie en Nord-Pas-de-Calais et en Hauts-de-France. Très bien, merci Sophie. Je terminerai par une dernière question. Il y avait eu des éléments de réponse, notamment avec les nichoirs, laissant la possibilité aux chouettes donc, finalement d'intégrer l'espace à proximité du bâti. C'était une question donc, de Pauline Doligèze. Avez-vous intégré l'approche de la faune nuisible, à savoir l'équilibre biodiversité-biosécurité, facteur de maladie contagieuse pour les animaux d'élevage? Donc, j'aurais tendance à dire que la question s'adresse peut-être à Robin. Alors, on l'a pas, on n'a pas intégré cette question-là de manière directe, mais plutôt de manière indirecte, je dirais, par l'objectif de retrouver un environnement équilibré, un écosystème à l'équilibre, c'est une régulation, une autorégulation en fait de l'écosystème. Et donc chaque espèce a un rôle à jouer. Et donc on observe très souvent qu'un déséquilibre de l'écosystème a pour conséquence l'augmentation d'une faune qui peut être considérée comme nuisible. Là, nous, la recherche, l'objectif qu'on recherche systématiquement, c'est plutôt d'aller atteindre cet objectif d'équilibre qui aura par conséquence un impact sur la régulation de la faune nuisible par la réintégration de certains maillons de la chaîne trophique, par exemple, de la chaîne alimentaire. Voilà ce que je disais tout à l'heure avec la réintégration des rapaces dans l'écosystème local peut amener la régulation d'espèces qu'on peut considérer comme nuisibles. J'espère avoir répondu clairement à la question. Oui, je pense que Bertrand va pouvoir compléter sur ce point. Il y a les aspects sanitaires aussi, hein, mais... Donc par rapport à cet aspect-là, dans le travail qui a été fait de visite des exploitations et d'analyse et lors de la constitution des fiches qui sont à son démarrage, l'idée aussi est d'analyser les endroits où il est le plus propice de pouvoir accueillir de la biodiversité par rapport à cet aspect sanitaire. Hein, et on pense en particulier, par exemple, au fait d'éviter d'avoir des nichoirs au-dessus des tables d'alimentation ou au-dessus des zones de couchage. Hein, mais si jamais il y avait des nichoirs à envisager au sein du bâtiment, c'est que ça puisse être éventuellement dans des zones de raclage, voilà, hein, dans les zones d'exercice pour les bâtiments bovins. Donc voilà la remarque qui est à faire sur le sujet, tout simplement. Ok, très bien. Bah, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de conclure ce webinaire. Donc pour dire que ce sujet est quand même relativement nouveau, hein, du bâtiment d'élevage et de la biodiversité. Bon, il est peu abordé, ou alors plutôt dans certaines régions, peu abordé jusque-là dans le conseil bâtiment, mais ça témoigne quand même d'une prise de conscience progressive et d'une prise en main de cette thématique par les acteurs du terrain, ou au moins une volonté d'aller dans ce sens-là. Et on voit bien la nécessité aussi de poursuivre les travaux afin de renforcer les connaissances du coup dans ce domaine. Alors, nous tenions à remercier du coup l'ensemble des intervenants et des animateurs pour leur participation à ce webinaire. Merci également à l'ensemble des participants pour vos questions qui ont permis d'alimenter les échanges. Alors, ce webinaire est enregistré. Il y avait une question dans ce sens dans le chat là. Et vous serez destinataire du coup d'un lien pour pouvoir le visionner en replay. Et vous pouvez également retrouver tous les webinaires déjà réalisés par le RMT Bâtisse. Sur Internet hein, en tapant tout simplement RMT Bâtisse dans votre moteur de recherche. Et sur ce site, vous retrouverez également toute l'actualité concernant donc, le bâtiment d'élevage, toute filière d'élevage confondue. Et enfin, par ailleurs, donc, nous tenions à vous informer de l'organisation d'un colloque
organisées par les RMT Bâtisse et les RMT One Welfare les 14 et 15 février prochains à la Maison des associations de Rennes sur le thème « Le bâtiment d'élevage, point de rencontre de l'homme et de l'animal ». Donc, il y aura plus d'infos à venir hein, sur le contenu de cette journée, enfin de ces journées, et le programme sera diffusé très prochainement. Donc voilà. Encore merci à tous. Excellente journée et à très bientôt.